السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدقي فيها. اليوم رانا 28/8/2016، يعني بدون قصد لغيت عدة تسجيلات ذات القيمة يعني المؤكدة، لأن نتيجة بحث غامق في عدة مواضيع سياسية وجيوستراتيجية وجيوبوليتيكية، على كل حال بدون قصد لغيتهم. عندي بعض الوثائق اللي على كل حال خليتهم جهة، ويسمحوا لي على كل حال باش نعاود نسجل مثلهم بدون شك. إذن هي فيما يخص على كل حال الدور بندر بن سلطان كقائد القاعدة لخدمة مصالح إسرائيلية، يعني أولا وقبل كل شيء. Alors, l'État sioniste qui regarde agir les tueurs d'Al-Qaïda. Que lui-même expédie autour des pays qui l'entourent. Cela doit être un spectacle réjouissant de voir des hommes à son service qui font exploser des voitures piégées parquées dans des endroits les plus populaires possibles, pas seulement en République arabe syrienne, mais également au Liban. Ou même ces voitures sont conduites par des volontaires suicides pour l'amour de Sion, en fin de compte. Cela doit le rendre heureux, cet État sioniste. Le satisfaire, lui annoncer un futur tranquille, en fait. Et même s'il y a parmi ces terroristes quelques-uns de blessés, il serait heureux de les recevoir et de les soigner. Ils seront admis dans ces dispensaires médicaux. Cette petite introduction doit nous verser vers un dossier essentiel qui est de nous demander quelle est la relation entre la mouvance d'Al-Qaïda et Israël. Cette relation a débuté au commencement des années 1980. Ce n'est pas une supposition. C'est un fait concret, documenté, relaté même par le principal décideur de cette mouvance, qui est M. Brzezinski, qui était à ce moment-là le conseiller de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique, et il travaillait sous les ordres du président Ronald Reagan, qui a pris la suite du président Jimmy Carter, qui perdit le renouvellement de son second mandat parce qu'il suscitait un refus du lobby sioniste aux États-Unis, puisque Jimmy Carter commençait déjà à négocier avec le père de Bachar al-Assad, Hafez al-Assad, comment rendre les hauteurs du Golan syrien en échange de paix avec cet État sioniste. Naturellement, les négociations ont tenté de résoudre ce problème, mais voir Hafez al-Assad céder à ces colonialistes sionistes eût été impossible. Donc, de toute manière, des négociations de cette qualité n'étaient pas du tout aboutissables. Donc, Jimmy Carter perdit et remplacé par Ronald Reagan.
Jimmy Carter, en fait, durant son mandat présidentiel, ne faisait qu'appliquer des études sociologiques sur le Moyen-Orient, études proposées et faites par un sioniste anglais du nom de Bernard Lewis de l'Université de Londres, ayant pour thème une proposition pour un nouveau Sexpico. Brzezinski, le nouveau concepteur au service de Ronald Reagan, dans ses écrits, dit-il, après 9 réunions à Washington, face à Bandar Ben Sultan, ce prince saoudien, dont l'oncle paternel est l'actuel roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Il faut rappeler que le roi Abdallah d'Arabie Saoudite est le frère de Fahd, également qui fut roi décédé, et que leur père à tous s'est marié avec une trentaine de femmes et eut à peu près une cinquantaine d'enfants. Donc tous sont des demi-frères, et quand on dit Ben Sultan, cela veut dire que son père est Sultan, qui est finalement le demi-frère du roi Abdallah, l'actuel roi d'Arabie Saoudite. Donc Brzezinski, travaillant avec Bandar Ben Sultan, travailler en fait avec l'autorité saoudienne. 9 réunions donc à Washington entre Bandar Ben Sultan et Brzezinski. Il a été dit que parmi ces 9 réunions, il y a eu durant 3 réunions comprises dans ces 9 réunions la présence d'une tierce personne, et ce fut Osama Ben Laden en personne. Brzezinski se souvient bien de cette promenade à Beyrouth en compagnie de ce jeune homme, fils d'un Saoudien richissime d'origine yéménite. Son père, entrepreneur de travaux publics, gros travaux, construction d'aéroports, de ports, de villes nouvelles, un peu comme les Hariri. Hariri, le père de Saad al-Hariri, également fut entrepreneur de travaux publics. Rafiq al-Hariri, Libanais, a fait ses études à Damas et petit à petit, il s'est rendu en Arabie Saoudite et là, il s'est marié avec une Saoudienne pour avoir l'enfant que nous connaissons, c'est-à-dire Saad al-Hariri. Donc également Saad al-Hariri est fils d'un entrepreneur de travaux publics et richissime. Revenons donc à ces réunions et la conclusion de ces 9 réunions qui ont, entre autres, Brzezinski et Bandar Ben Sultan réunis également ce qu'on connaît après du nom de Osama Ben Laden. La conclusion de ces 9 réunions déboucha sur la création d'une organisation islamiste financée essentiellement par l'Arabie Saoudite, mais armée, entraînée et soutenue logistiquement, politiquement, diplomatiquement, et couverte par la presse et les chaînes de télévision de l'Occident, dans toutes ses activités, premièrement, dans le but de combattre le communisme, le socialisme, et d'imposer l'inquisition salafiste à couleur wahhabite à tout le monde islamique.
Cette organisation islamiste, à commencer par l'Afghanistan, État musulman. Cependant, dans cette circonstance, il a été gouverné par un gouvernement à couleur communiste qui a été soutenu lorsqu'il a été agressé par l'armée rouge de l'Union soviétique quand l'URSS existait à ce moment-là. Et tout cela graduellement, donc, ce groupe islamiste a été formé par des djihadistes de tout le monde musulman. Et la première du prix, en fait, faite par les Américains, c'est que ces djihadistes musulmans sont les alliés des chrétiens américains qui luttent contre l'athéisme, ces mécréants, que les chrétiens et les musulmans sont les gens du livre, et donc il fallait combattre le communisme et la mécréance qui s'est installée en Afghanistan. En fait, ce que cachaient les Américains, c'est un petit peu une lutte contre le communisme pour imposer le capitalisme mondialement et donc regagner une zone d'influence qu'ils étaient en train de perdre, prise par les soviétiques d'alors. Mais ce que cachait également ce pacte du diable par ces djihadistes conduits par Ben Sultan et finalement comme homme de main Osama Ben Laden, ce qui était caché, c'était une organisation islamiste wahhabite takfiriste salafiste au sens le plus vil du mot. Et donc lorsqu'elle finirait avec l'Afghanistan et déracinerait ce gouvernement communiste en Afghanistan, que va-t-elle faire? Et naturellement elle va essayer d'imposer cette inquisition sur tout le monde musulman, à adopter le wahhabisme et à abandonner les quatre écoles juridiques que le monde musulman applique et connaît. Voilà à peu près un résumé de ce qui a été conclu lors de ces 9 réunions entre Brzezinski et naturellement Bandar Ben Sultan, le Saoudien, et comme homme de main Osama Ben Laden. Et donc une campagne finalement d'enrôlement a été déclenchée dans tout le monde musulman, à commencer par le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Tunisie, l'Égypte. Tout le monde a contribué à ce djihad au nom de Dieu pour libérer l'Afghanistan des mains de mécréants qu'ont été finalement ces communistes, même quand ils étaient afghans, ces communistes aidés par l'Union soviétique qui pour les Américains était une organisation communiste qu'il fallait combattre dans le sens d'imposer le capitalisme. Maintenant, je lâche cette explication pour ne pas trop l'approfondir et ne pas alourdir cette vidéo. En fait, ce qui protège Israël, c'est de faire que les musulmans et les chrétiens s'entretuent. Comment donc faire que les chrétiens et les musulmans s'entretuent? D'abord, pour arriver à ce but, il faut fabriquer le sionisme chrétien. Comment fabriquer le sionisme chrétien? Représenté en fait par l'Église évangélique, caractérisé par une idéologie au sein de l'Église catholique, qui dit que la résurrection de Jésus-Christ ne se fera qu'à condition que se reconduisent
se reconstruise le temple de Salomon dans son état original, avec naturellement son mobilier et les instruments de musique identiques à ceux utilisés par le roi David. On a parlé de la lyre et la corne et beaucoup d'instruments bibliques symboliques à cette époque. Le tout en fait entouré d'un environnement qui fut au temps des Banu Israël. Je suppose donc, pour construire ce temple de Salomon, qu'il faille commencer par la destruction de toute trace de l'islam et des musulmans en Palestine, à commencer par la mosquée de Omar ibn al-Khattab ou la mosquée d'Al-Aqsa, le dôme du rocher. De là sont venues les prétendues fouilles en fait pour détruire les fondations de la mosquée musulmane, transformant quelques-unes en synagogues, prétextant devant l'opinion mondiale qu'ils font la recherche des ruines du temple des premières heures, censées être là comme la réplique exacte de celui se trouvant au ciel, où il raconte que le trône de Elohim est placé. Cette imagerie vient du côté morphologique des talmudiques qui croient qu'il y a un temple dans le ciel avec un trône sur lequel Dieu est assis, et qu'ils veulent en fait faire la réplique de ce temple dans le ciel avec un trône sur la terre sur lequel serait assis je ne sais qui, peut-être Bernard-Henri Lévy, peut-être Netanyahou, peut-être je ne sais qui. Cette imagerie donc vient d'un certain morphologisme qui consiste à croire que Dieu a des bras, des jambes, un trône, il est assis et il gouverne le monde. Mais il gouverne le monde par intermédiaire, c'est-à-dire ce juif qui serait assis sur ce trône au milieu d'un temple qui sera reconstitué dans un milieu original, dans un état juif, essentiellement juif, qu'est la Palestine. Cette imagerie vient finalement d'un côté, comme je dis, morphologiste, qui a été en finale adopté par, petit à petit, par des imams, des savants musulmans, comme Ibn Taymiyyah, et après Ibn Taymiyyah, on peut évoquer aussi les wahhabites, c'est-à-dire les disciples de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il faut rappeler que Ibn Taymiyyah a vécu à un moment donné, né en République arabe syrienne, un peu cette partie de la Syrie qui a été volée par les Turcs, né là donc, pendant que les Tatars s'attaquaient finalement à Bagdad. Un moment historique très dramatique, pendant que les royaumes francs s'attaquaient également à la Syrie pour récupérer la ville de Jérusalem qu'ils croient être la leur. Donc Ibn Taymiyyah a vu des envahisseurs des deux côtés, côté asiatique les Tatars qui était en train de brûler Bagdad, et côté chrétien, il a vu certains croisés venir attaquer la République arabe syrienne pour atteindre Jérusalem. Deux invasions différentes. Et il a remarqué, Ibn Taymiyyah, que chrétiens et tatars faisaient des pactes contre, finalement,
cet État musulman. Ibn Taymiyyah a considéré que les Tatars étaient des faux musulmans. Ils se déclaraient musulmans, cependant, ils continuaient d'utiliser leurs droits coutumiers qui faisaient d'eux des musulmans pas tout à fait corrects. Et le fait même qu'ils aient des alliances avec leur royaume chrétien faisait d'eux des ennemis. Et Ibn Taymiyyah n'a cessé d'appeler au jihad aussi bien contre les Tatars que contre les croisés. Et les disciples d'Ibn Taymiyyah d'aujourd'hui devraient se rappeler de cette position d'Ibn Taymiyyah appelant au jihad contre les Tatars qu'on peut comparer aux Turcs d'aujourd'hui qui sont en alliance avec le royaume chrétien qu'on peut comparer aujourd'hui comme l'Alliance Atlantique Nord. On peut dire aussi que les Turcs d'aujourd'hui n'appliquent pas le droit musulman. Ils appliquent un droit coutumier qui leur est propre en Turquie. Et donc leur alliance avec l'Alliance Atlantique fait d'eux les ennemis finalement de l'islam. Cependant, Ibn Taymiyyah, par ce côté morphologiste, a dévié de l'islam et il a été bien souvent emprisonné par les Mamelouks qui dépendaient à ce moment-là de l'Égypte. Voilà, j'ai dit un petit peu une trace de l'histoire laissée par Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah a été suivi par la suite par Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'en est inspiré. Mohammed ibn Abdul Wahhab, manipulé par des agents anglais de la couronne britannique, est allé jusqu'à transformer l'islam en un courant extrémiste, salafiste, takfiriste que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mohammed ibn Abdul Wahhab s'est commencé à s'attaquer finalement aux quatre écoles juridiques de l'islam. Une guerre a été déclenchée même par lui sur le territoire irakien. Seule l'Égypte a dû mettre un terme à son activité destructrice à ce moment-là. Mais Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec son allié Saoud, manipulé par des agents anglais, ont comploté contre finalement l'État musulman conduit par les Ottomans et a réussi contre les Ottomans pour donner finalement tout le Moyen-Orient aux Français en finale et aux Anglais. Ce qui a donné naissance à cette SPICO qui a finalement démantelé tout ce monde musulman en petites unités que nous connaissons également aujourd'hui. Ça, c'est l'œuvre de Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les Ahl Saoud que nous voyons aujourd'hui régner en tant que propriété privée sur ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite. Les Anglais ont réussi quand même à détacher de cette Arabie un certain nombre de repères de corsaires qu'on appelle aujourd'hui Qatar, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, Qatar, etc., etc. Le Koweït, Qaboos. Les Anglais également ont créé de toutes pièces cet État jordanien, la Transjordanie. Les Anglais ont également fabriqué cet État sioniste, cette entité sioniste, sur ce qu'on a appelé la Palestine, en fait, qui était composée de la Cisjordanie et la Transjordanie. Voilà un petit peu les résultats de ce que Mohammed ibn Abdul Wahhab ainsi que Ahl Saoud ont fait
de cette Arabie, de cet islam. Alors revenons donc à cette guerre de religion entre musulmans et chrétiens que veulent finalement provoquer les sionistes. Pour les évangélistes de l'Empire américain à la bouche, comme Rice, comme Bush donc, le fait qu'ils entrent dans une espèce de nouveau conservateur, évangéliste, ont été finalement endoctrinés par le sionisme, de leur faire comprendre que pour revenir le sauveur sur terre, pour la justice qu'ils croient, le sauveur c'est Jésus. Il s'agit de faire vite et d'aider l'État d'Israël à la construction de ce foutu temple, même sur le cadavre du peuple palestinien. Ce qui arrange bien Israël d'avoir aussi cette grosse force américaine, évangéliste, et même cet évangélisme est en train de se répandre un peu en Afrique. Nous assistons à une multitude d'églises évangélistes en Afrique noire, Côte d'Ivoire, Cameroun, qui sont également solidaires à l'État d'Israël. Également dans tous les pays occidentaux, il y a ces églises évangélistes également qui croient à la résurrection de Jésus-Christ par la construction du temple de Salomon à Jérusalem, temple de Salomon qui sera construit sur les ruines de toute la présence musulmane en Palestine. Ça, c'est finalement les chrétiens sionistes, endoctrinés par le sionisme, aveuglément dirigés contre tout ce qui est islam. Par ailleurs, j'ai évoqué ce Mohammed ibn Abdel Wahhab qui, petit à petit, a créé une secte qui s'est approchée finalement des talmudistes beaucoup plus qu'on ne croit et qui est devenue pratiquement sioniste. Donc nous avons un islam sioniste qui est utilisé pleinement par le sionisme en vue de créer justement cette guerre de religion entre sionistes musulmans et chrétiens sionistes. Et quand cette guerre se déclenchera, elle se déroulera certainement pendant un siècle. Ajoutez à cela une guerre de religion entre musulmans eux-mêmes, c'est-à-dire chiites et sunnites, cette guerre prendra également un autre siècle. Imaginez ces guerres de religion créées de toutes pièces donnera une tranquillité de plusieurs siècles à cette entité sioniste. Donc, lorsque j'exprime et je dis, lorsque l'État d'Israël regarde ce spectacle de musulmans en train de s'entretuer, elle doit absolument être ravie. Construire ce foutu temple même sur le cadavre du peuple palestinien. Ce qui arrange bien Israël d'avoir une aussi grosse force américaine qui l'aide à conquérir la Palestine par une colonisation de la Cisjordanie qui est à court à toute vitesse en ce moment. Donc la Palestine volée au peuple palestinien. Ainsi le sionisme avec cette construction dogmatique au sein d'une église, avec une partie des chrétiens sionistes et de l'autre un groupe de soi-disant, les seuls des 73 groupes qui sera sauvé et qui ira au paradis, groupe composé par ces takfiristes salafistes qu'on connaît aujourd'hui, même s'ils sont criminels auparavant, le fait qu'ils adhèrent à ce salafisme takfiriste, ils sont lavés de tout péché.
Et même s'ils commettent des péchés sur terre, leur séjour en enfer ne sera que léger, ne sera que temporaire, absolument rapide, puisqu'ils font partie de ces groupes des 73 sauvés. Le reste des autres musulmans, considérés par eux comme des mécréants, et donc tous iront à l'enfer. Les salafis, les salafistes et les takfiristes, en fait des islamistes ou tout court des islamistes sionistes, qui est Al-Qaïda, dont la mission est de se confronter aux chrétiens sionistes et en fait, dans la foulée, Al-Qaïda s'attaquera contre les chrétiens en général, pas seulement sionistes, contre les musulmans également, qui ne sont pas salafistes, qui ne sont pas wahhabites, contre les communistes également, qui sont des mécréants, contre le socialisme, que même les frères musulmans refusent, contre les laïcs également. Mais revenons à cette stratégie sioniste de faire que les musulmans et les chrétiens s'entretuent. Pour un juif, Jésus n'est rien d'autre qu'un enfant en dehors du mariage. Pour un juif, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que plagier des textes qui ne sont pas de lui. Et donc, deux extrémités à combattre selon la théorie sioniste. L'un mange du porc et boit du vin, l'autre ne mange ni porc ni boit du vin. Et celui du milieu qui est le juif boit le vin, mais ne mange pas le porc. Il peut se saouler avec le chrétien et manger halal avec le musulman, finalement gagnant des deux côtés. Et même le halal des musulmans n'est pas cachère. Juste une petite récréation. Après que les combats menés par Al-Qaïda contre les chrétiens sionistes et réciproquement, le tour viendra sérieusement entre musulmans, entre eux, d'où toutes les tentatives de provoquer, d'allumer cette étincelle. Ils ont certes jusqu'à présent échoué, malgré les boucheries exécutées en Syrie ainsi qu'en Égypte. Si un tel scénario conduit à une guerre entre chrétiens et musulmans durant un siècle et entre musulmans et sunnites un autre siècle, tout ce temps tranquille pour Israël serait parfaitement un paradis. Pourquoi ces sanctions des Européens, des Américains, qui restent en fait sans effet contre Al-Qaïda, dont ils savent que ces avoirs se trouvent dans les banques européennes, que leur avoir dans les banques occidentales sont protégés en fait. Ceux qui dirigent les finances du monde entier, ce sont les lobbies juifs du monde entier, comme Goldman Sachs, Rothschild, Soros, pour ne citer que quelques-uns. La masse média également est entre les mains du lobby juif sioniste. Les chaînes de diffusion satellitaire occidentale, les journaux, les canaux, etc. Ils sont tous possédés finalement par les alliés de cette mouvance d'Al-Qaïda, qui peut s'exprimer à travers ces canaux dès qu'elle veut. Et dès qu'il y a un problème financier, il y a toujours ce lobby juif qui détient les banques mondiales, qui leur fournira de quoi continuer leur activité criminelle. Donc, qui protège Al-Qaïda? Le jeu d'argent, les finances, les masses médias, qui sont sans doute détenus par ceux qui les soutiennent. Ce sont donc les juifs qui détiennent l'argent, l'information. Aucun problème donc pour Al-Qaïda. Si je reviens à mon sujet de Brzezinski. Brzezinski déclare après coup sa
révélation, finalement, maintenant qu'il se fait vieux. Disant tout bonnement, nous avons, avec Bandar Ben Sultan, décidé de créer Al-Qaïda, qui sera financé par le pays de Bandar Ben Sultan, qui est l'Arabie Saoudite, et qui sera armé par son pays, les USA, entraîné. Et nous avons, dit-il, commencé par l'Afghanistan, en composant une armée de djihadistes, issus finalement du monde musulman. Oui, dit-il, Brzezinski. C'est ce que nous avons fait avec Bandar Ben Sultan. Qui est Brzezinski en fait? Nous avons parlé de Brzezinski, mais qui est-il? À part qu'il est secrétaire d'État à la sécurité nationale du temps de Ronald Reagan. Mais M. Brzezinski, il n'est pas simplement juif d'origine polonaise, de nationalité américaine, certainement ayant fui le communisme ou finalement la victoire de l'armée rouge contre le nazisme, contre Hitler, quand l'armée rouge est parvenue jusqu'à Berlin, et donc toute la Pologne était occupée par l'armée soviétique. Donc tous ces pays du pacte de Varsovie se devaient d'avoir une économie socialiste. Et donc Brzezinski, certainement d'origine polonaise, a fui ce communisme qu'il est. Et donc son antisoviétisme est né de ce moment-là. Et cette guerre qu'il a menée contre l'armée rouge en Afghanistan a ruiné finalement l'Union soviétique qui s'est écroulée. C'était un piège tendu par Brzezinski à l'Union soviétique pour la faire écrouler. Et donc nous avons vu ce glasnost, nous avons vu ce Gorbatchev, ce Yeltsin et cette destruction finalement de l'Union soviétique qui s'était faite par cette géostratégie utilisée par Brzezinski. Donc c'est un expert. Brzezinski n'est pas simplement donc un juif polonais de nationalité américaine, anticommuniste, anti-Union soviétique. Il est fondamentalement sioniste. Il fut consécutivement président du Congrès de la Nation juive mondiale à 3 reprises. Il est personnellement en fait l'organe de protection mondiale des intérêts d'Israël dans le monde. Encore plus important que l'EPAC. L'EPAC est une organisation juive comparable au CRIF qui se trouve en France. L'EPAC, American Israel Public Affairs Committee, comme le CRIF, qui est le conseil représentatif des Israélites de France, et ainsi de suite dans le monde entier. Nous trouvons ce genre d'associations en Espagne, en Angleterre, en Hollande, en Pologne, un peu dans tous les pays occidentaux, en Amérique latine, partout. Il y a des organisations comme cela, représentatives des juifs qui se trouvent dans le pays. Cependant, cette organisation qui a été présidée à 3 reprises par Brzezinski est au-dessus de ces petites organisations, en fait, qui ne sont pas tellement petites. Le CRIF influence toute la politique française. N'importe quel président français est obligé d'aller à 4 pattes. Toutes ne sont que de petites unités à côté de cette organisation qui a été présidée à 3 reprises par Brzezinski. Donc, comparé à ce congrès mondial de la nation juive de Brzezinski. Ainsi, l'on est en face d'une construction qui défend les intérêts israéliens dans le monde entier, et Israël comme entité sur place. Pour ce qui concerne Bandar Ben Sultan, il est le fils de Sultan, marié avec plusieurs femmes, homme très amateur de sexe et de prostituées. La mère de Bandar Ben Sultan, Sultan ne s'est pas marié avec une femme seulement, mais la mère de Bandar Ben Sultan est une esclave tirée d'une tribu libyenne ou tout simplement tirée d'un bordel libyen, libérée
pour quelle raison? Peut-être aussi tiré d'un bordel tenu par une matrone juive, d'où peut-être un élément de rapprochement avec les juifs de Bandar Ben Sultan, qui lui-même est un enfant complexé vis-à-vis de ses autres frères, prince comme lui. Cependant, sa mère est esclave, donc ils sont plus princes que lui. Quand ils ont une mère d'origine saoudienne et de surcroît Saïdiri, c'est-à-dire les plus nobles mères de tous les demi-frères saoudiens, d'où sont issus Fahd et d'autres turbulents. Sultan également a une mère certainement Saïdiri. Plus noble que sa mère donc, ce qui explique sa furie, sa méchanceté, son machiavélisme, pour leur montrer même s'il n'est pas fin, il protège leur royaume, c'est-à-dire la propriété privée des Saouds, mieux qu'eux. Copain de cette autre énergumène du nom de Bush, Bush fils, et Bush père, aurait souhaité finalement, s'il avait à souhaiter un autre enfant, que ça soit Banda. On ne peut pas s'empêcher de dire qu'il ne serait pas du tout copain avec Saad al-Hariri, libano-saoudien lui-même, qui est complexé finalement du fait que, son père n'est pas saoudien. Donc sur Bandar Ben Sultan, il y a un dossier qui a été édité par le journal juif Haaretz, qui le décrit pas n'importe comment. Que pour n'importe quel projet, finalement, de paix israélo-palestinien ou israélo-arabe, si Bandar Ben Sultan n'y fourre pas le nez, ne s'y mélange pas, ne voit pas comment il se déroule, Israël ne fera pas confiance à ce plan, et ce plan ne sera pas du tout réalisable. Pas du tout réalisable. Ainsi, les plans et projets de déplacement de Palestiniens ailleurs et de les installer là où ils auront une nationalité nouvelle, un travail, un projet, un avenir, sont toujours des dossiers que Bandar Ben Sultan ne cesse d'étudier et de mettre en œuvre et de concrétiser. Projets et plans déjà en marche avec la participation des sociétés multinationales, des banques internationales et les statisticiens sur la répartition finalement des Palestiniens dans le monde et les possibilités d'emploi à ces nouveaux Palestiniens qui seront sortis de Palestine et les coûts de leur installation dans leur nouveau pays et tout cela, ainsi que les échanges de terres qui se feront entre les colons sionistes qui veulent encore s'étendre et le peu de Palestiniens qui restent et qui doivent vider la Palestine pour la rendre entièrement juive. Ainsi, quelques éléments sur Bandar Ben Sultan indiquent bien que c'est l'homme des Israéliens dans le monde arabe. Entre parenthèses, il s'occupe également de ces réfugiés syriens qui se trouvent en Turquie, en Jordanie, au Liban, pour également les monnayer, les politiser, en cas de négociations futures qui arrêteront les hostilités en République arabe syrienne actuellement. Également, derrière Bandar Ben Sultan, cette tentative avec le Hamas à Gaza et le président Mohamed Morsi El-Ayat, heureusement qui a été déraciné d'Égypte, de s'accaparer d'une grosse surface dans le Sinaï pour justement installer des colonies palestiniennes et vider complètement
la Palestine de tout Palestinien. Également le projet d'y construire la plus grosse base américaine dans le Moyen-Orient, le plus grand porte-avions dans le Moyen-Orient, pour permettre finalement à l'Empire américain d'être toujours aux côtés de cette entité sioniste et de la protéger dans le futur. Donc, quand on parle de Bandar Ben Sultan, il est d'aucune commune mesure avec la petitesse de Anwar Sadat ou de Hosni Moubarak ou du roi de Jordanie. Bandar Ben Sultan, c'est le prince, l'homme d'Israël pour le monde arabe. Même devant Hamad, Bandar Ben Sultan est disproportionné. Hamad ne pèse absolument rien. Il est donc l'homme des Israéliens pour les Arabes. Il faut ajouter qu'il manœuvre déjà avec le dossier syrien qui lui a été confié lors du retrait après échec de Qatar et de la Turquie d'obtenir un résultat dans ce complot qui est mené depuis plus de 2 ans et demi contre la République arabe syrienne. Maintenant, il détient le dossier donc syrien. Bandar Ben Sultan. Il est l'homme d'Israël pour les Arabes. Il a été à l'origine avec Brzezinski de la création de cette mouvance terroriste qui a pris le nom d'Al-Qaïda. Brzezinski, sioniste, juif, avec un chef, Bandar Ben Sultan, qui dirige Al-Qaïda. Il met donc Al-Qaïda au service de cette entité sioniste. Et donc, quand on parle d'Al-Qaïda, elle est associée à cette entité sioniste. Elle représente l'autre pesant du bras de la balance qu'Israël utilise. Bien que Al-Qaïda soit toujours conduite par Bandar Ben Sultan, mais tous les ordres et les directives viennent de l'entité sioniste, d'Israël. Maintenant que nous avons parlé de Brzezinski, de Bandar Ben Sultan, à quoi sert véritablement Al-Qaïda? Sa mission est de provoquer, comme je l'ai dit auparavant, une guerre ayant pour but de frapper les croisés, pas l'Occident. Jamais ils n'ont visé l'Occident ni Israël, Al-Qaïda. Mais ce sont les chrétiens qu'ils visent. Également les autres musulmans qui ne sont pas salafistes. Pourquoi? Parce que le projet sioniste, en fait, si les musulmans et les chrétiens s'unissent, le droit inviolable des Palestiniens seront remis sur table et Israël sera détruite par les Palestiniens qui sont musulmans et chrétiens en même temps, par les Syriens qui sont musulmans et chrétiens en même temps, par les Libanais qui sont musulmans et chrétiens en même temps, par les Égyptiens qui sont musulmans et chrétiens coptes en même temps, par les Irakiens qui sont musulmans et chrétiens assyriens en même temps. Voilà une raison pour laquelle il doit y avoir une guerre entre chrétiens et musulmans. Et encore une guerre contre musulmans et musulmans, puisque nous avons l'Iran chiite et le gros poids sunnite se trouve en Égypte. L'installation finalement des frères musulmans en Égypte était dans un but tout à fait crapuleux de créer une guerre entre sunnites et chiites. Le fait que Morsi soit enlevé, ça a finalement coupé l'herbe sous les pieds de ces comploteurs qui voulaient créer justement cette guerre de religion entre musulmans. Donc Brzezinski déclare après coup sa révélation, maintenant qu'il se fait vieux, disant tout bonnement, nous avons avec Bandar Ben Sultan décidé de créer Al-Qaïda qui sera financé par le pays de Bandar Ben Sultan et qui sera armé par son pays, les USA. Et nous avons dit, dit-il, que nous allons commencer avec l'Afghanistan
pour sortir les communistes et les mécréants de ce pays musulman. Donc, composons une armée de djihadistes dans le monde musulman. Voilà. Maintenant que finalement l'armée rouge a été évacuée d'Afghanistan, qu'est-ce que cette mouvance d'Al-Qaïda a continué de faire en Afghanistan? Et cette mouvance d'Al-Qaïda devenait un peu comme cet ogre qu'on crée, qu'on fabrique, et qui finalement devient incontrôlable, et qui peut se retourner contre celui qui l'a fabriqué, qui l'a créé. Et donc Al-Qaïda peut se retourner contre le royaume wahhabite, comme elle peut se retourner contre les Américains. Il fallait donc un peu la contrôler d'une certaine façon bizarre. Comment finalement continuer encore à développer le projet de cette construction du temple de Salomon pour voir pour les nouveaux conservateurs américains cette église évangélique, le retour du sauveur, condition finalement sine qua non pour la construction du temple de Salomon. Donc tout ce projet finalement est orienté, dirigé dans cette direction. Donc il s'agit tout simplement d'envahir l'Afghanistan alors que l'armée rouge est sortie, et donc l'Afghanistan était sur le point de devenir un État indépendant, mais seulement occupé par une certaine mouvance d'Al-Qaïda avec les talibans, et donc ça devenait une menace finalement à l'environnement, et il fallait mettre un terme à cette situation. Pour ma part, je suis absolument convaincu qu'il y a eu complot pour envahir l'Afghanistan du fait de cette action qui a suscité une réaction et donc une solution. L'action, c'est un peu cette attaque des deux tours à New York, action qui a été plus ou moins comploté, organisé par ces nouveaux conservateurs, Bush et compagnie. Il y a beaucoup de recherches qui ont été bloquées, beaucoup de gens qui ont parlé de cela. Donc on peut imaginer aisément l'intérêt que les Américains avaient de créer justement cette attaque terroriste sur les deux tours à New York, aussi spectaculaire qu'elle le fut, qui a coûté finalement la vie à 2000 ou 3000 Américains, mais les 3000 Américains ont pesé peu dans le projet qui a été conçu d'envahir l'Afghanistan, d'envahir l'Irak, d'envahir finalement la Libye, d'envahir le Soudan, d'envahir la Somalie, d'envahir un certain nombre de pays consécutivement, de disloquer finalement le Yémen, et de projeter, une esquisse d'un nouvel Moyen-Orient dans le cadre du nouvel ordre mondial, et tout cela pour finalement éloigner la finitude de cette entité sioniste. Et donc le projet finalement est sioniste du début jusqu'à la fin. Comment finalement recréer un Székesfehérvár et démonter ces pays qui entourent cet État d'Israël, qui est finalement une installation coloniale qui a été concrétisée après la Deuxième Guerre mondiale avec le procès de Nuremberg, qui a finalement donné un complexe de culpabilité à un ensemble de pays occidentaux qui ont finalement fermé les yeux sur tous les crimes commis contre le peuple palestinien et contre les Arabes en général. Donc, projet sioniste du début jusqu'à la fin, comment créer justement une action et provoquer une réaction, et la société américaine est tombée dans un piège incroyable, deux tours explosent,
la réaction finalement du peuple américain, c'est de savoir qui a fait. L'accusation a été tout de suite orientée vers Al-Qaïda, qu'il fallait aller déloger d'Afghanistan. Et puis petit à petit, finalement, les choses se sont développées pour s'attaquer à l'Irak. Qui a fait finalement cet attentat contre New York? J'imagine que c'est aussi Israël, le Mossad, ainsi que ces nouveaux conservateurs américains et leur homme de main qu'est Al-Qaïda. Voilà. Donc on peut résumer les choses ainsi, et donc c'est toujours le même projet. Alors revenons à cette Brzezinski qui fut exactement aussi important que ça, avec Bender Ben Sultan, qui ont fini par faire cette mouvance d'Al-Qaïda qu'ils utilisent finalement comme homme de main au sol, puisque finalement les Américains préfèrent aujourd'hui utiliser ce genre de terroristes que d'aller eux-mêmes en tant que soldats s'il y a des pertes en hommes, disons, seraient vis-à-vis de l'opinion publique de leur pays difficiles à assumer, et donc leurs actions seront plus ou moins stoppées, arrêtées. Regardez un petit peu ce programme qui se trouve en ce moment contre la République arabe syrienne, de vouloir la bombarder par le ciel. Aucun soldat américain n'oserait mettre les bottes ou les pieds en République arabe syrienne. Cependant, ces hommes de main n'ont pas réussi à exécuter, à réaliser le plan qui est posé. Donc c'est un petit peu finalement l'os à la gorge qui reste encore, qui ne peut pas passer. Alors, j'ai parlé de Bender Ben Sultan, fils de Sultan, marié plusieurs femmes, etc., avec Saad al-Hariri, tout ça s'était évoqué. Alors, Bender Ben Sultan, qui se mélange avec n'importe quel projet de paix israélo-arabe ou de paix palestinien-israélien, donc Bender Ben Sultan qui finalement veut vider la Palestine de tout Palestinien pour permettre l'établissement de cet État juif pour la réalisation de ce temple, selon les désirs des nouveaux conservateurs qui voudraient voir la résurrection de Jésus-Christ. Mais en fait, ce projet de temple, c'est pour un dégel, c'est une supercherie des plus énormes. Donc, Bender Ben Sultan, sa mission, c'est de provoquer une guerre de religion. Et d'ailleurs, voilà. Alors, le discours politique d'Al Jazeera, basé sur, finalement, de rendre service. Al Jazeera, par exemple, c'est quelque chose qui a été façonné à la dimension d'Israël et d'Al-Qaïda. Donc, elle sert les deux. C'est finalement quelque chose qui a été créé sur mesure. Bon, maintenant, parlons un petit peu de comment ils échouent finalement à réaliser ce projet que je viens d'évoquer, qui est un nouveau Cercle Spico, qui est la construction du temple de Salomon, qui est finalement vider toute la Palestine de tout Palestinien, etc., etc., qui est finalement de démonter les pays arabes comme l'Irak, ils ont réussi à le faire, comme ils veulent le faire en Syrie, comme ils veulent finalement découper tous ces territoires arabes en petites entités qui entoureront l'État d'Israël le plus fort et qui va dominer finalement ce grand Israël. Alors qu'a fait Israël depuis la guerre de 6 jours, depuis plutôt la guerre de 2006? La guerre de 6 jours, naturellement, elle a étendu ses territoires jusqu'à un petit frein qui a eu lieu en 1972 avec l'exploit de l'armée égyptienne qui a traversé le canal et qui est arrivée, qui a traversé finalement la mer, la séparation avec le Sinaï,
et qui est arrivé dans le Sinaï et qui a surpris à ce Kippour l'armée israélienne. Et donc il y a eu tout un branle-bas qui a réussi finalement à faire sortir avec un traité de paix israélo-arabe signé par Anwar Sadat et Menahem Begin à ce moment-là, et qui a finalement cloué l'Égypte durant tout ce temps par cet accord qu'il a subordonné. Finalement, c'est une capitulation de l'Égypte finalement, mais on la tient liée avec une espèce d'aide américaine. Après Sadat, il y a eu Hosni Moubarak, ce qui s'est passé avec ce dit printemps arabe, Hosni Moubarak a été évacué du pouvoir. Les frères musulmans qui ont été planifiés finalement de composer une ceinture de sécurité autour de cette entité sioniste qui partirait finalement de Tunisie, état dirigé par les frères musulmans, Libye, état dirigé par les frères musulmans, Égypte, état dirigé par les frères musulmans, Syrie, état dirigé par les frères musulmans, mais on peut parler aussi du Soudan, on peut parler aussi du Yémen, on peut parler aussi par exemple de la Turquie, de l'AKP, dirigé par un semblant de frère musulman, Tayyip Erdogan. Donc tout ce projet qui a été conçu pour essayer d'éloigner la finitude de cet état d'Israël est en train de capoter d'une certaine façon. Pourquoi ? D'abord, il y a eu un bémol qui s'est passé en 2006 lorsque cette entité sioniste tranquille du côté de la frontière égyptienne, par ses accords de paix entre elle et l'État égyptien, frontière tranquille, aussi bien Anwar Sadat que Hosni Moubarak protégeaient ce côté frontière avec cette entité comme la prunelle de ses yeux. Côté libanais, les Israéliens ont essayé finalement d'étendre leur territoire, de voler les ressources en eau du Liban, et ils sont entrés en guerre contre le Liban pour mettre un terme à cette résistance qui finalement s'est fait sentir déjà au début de l'an 2000. Donc 2006, après que les Américains avant 2006 ont essayé par tous les moyens de transformer les rapports de force en faveur de l'impérialisme, ayant échoué beaucoup de fois à occuper le Liban, à le découper. La flotte américaine était toujours en face de la Méditerranée en train de menacer le gouvernement libanais de ce moment-là. Il y avait la présence de l'armée syrienne puisqu'il y a eu une guerre civile au Liban à ce moment-là. Et puis l'armée syrienne a été obligé d'une certaine façon d'évacuer le Liban, et donc pour les Américains qui avaient créé justement cette entité sioniste et qui l'ont armée comme il faut, ils l'ont chargé finalement d'en finir avec cette résistance au Liban, et puis par la suite de passer à l'étape suivante, d'attaquer la République arabe syrienne, et puis d'atteindre à ce moment-là l'Iran. C'était un projet qui a été construit dans ce sens, et donc guerre contre le Liban en 2006. Et au Liban, il y avait une résistance qui a été organisée, une résistance populaire, puisqu'il n'y avait pas d'armée au Liban, résistance populaire qui a été créée par des chiites, et ils l'ont appelé le Hezbollah, et en même temps, une autre forme de chiisme, qui est le groupe Amel, qui est également résistant, ainsi que les Palestiniens, les fractions palestiniennes qui se trouvent au Liban, et qui finalement sont restés toujours organisés en guerre contre cette entité sioniste qui leur a pris leur pays. Donc guerre de 2006, finalement où Israël a cru que c'était facile finalement d'envahir le Liban, il y a eu finalement accro. Qu'a fait Israël de la guerre de 2006 à nos jours? Sans parler si Israël est satisfaite aujourd'hui, si elle est ravie, naturellement, elle l'est, puisqu'elle regarde un petit peu ce qui se passe, et en ce moment, il y a toute une armada contre la République arabe syrienne, et certains sionistes disent que c'est une affaire de tic-tac, c'est-à-dire
les minutes sont comptées pour l'existence de la République arabe syrienne. Donc Israël doit déguster ces moments-là avec satisfaction. Et même quand il y a eu cette destruction de la Libye, ce Bernard-Henri Lévy, ce juif né en Algérie et évacué l'Algérie avec l'indépendance algérienne, devenu français et sioniste, se charge finalement de détruire tous les États musulmans et en même temps il a tenté plusieurs fois de déstabiliser l'Algérie également. Ce Bernard-Henri Lévy disait qu'il avait façonné une protection invisible pour Israël pour les 50 années à venir. Moi je dis ce n'est pas certain, puisque Israël est soucieuse, incertaine du lendemain, même si aujourd'hui elle sourit. Il y a une différence entre être heureux à l'instant et aussitôt se soucier du lendemain, et être mal au point à l'instant et serein pour demain. Finalement, c'est le cas de la résistance au Liban, et en même temps de la résistance en général qui s'étend du Liban, passant par la République arabe syrienne, jusqu'en Iran. Me demander si Israël est certaine pour le lendemain, au contraire, elle est inondée d'incertitudes. Elle sourit de façade, mais l'incertitude la ronge. Cela vient du fait que le rapport de force a changé de camp, positif pour l'un et négatif pour l'autre. Qu'est-ce qui donne le sentiment de continuité, de certitude? Nous sommes mal au point. Nous, les résistants contre cette entité sioniste, nous sommes malmenés, mais certains du lendemain. La raison est due à la guerre de 2006 menée contre le Liban par la soldatesque sioniste avec la certitude qu'elle serait une promenade pour elle, comme un couteau dans du beurre tendre. Mais elle fut le point de rupture certain entre ce que fut l'invincibilité militaire des Israéliens. Rappelez-vous cette guerre éclair, guerre de 6 jours, et sa faiblesse démontrée devant la résistance libanaise, et cela a été prouvé. Avant les guerres menées par les Américains qui voulaient changer le rapport de force dans la région, ne parvenant qu'à une impasse, chargèrent leurs compétences militaires qu'ils avaient investies, formées, créées dans la région, et qui n'est que Israël, pour liquider finalement la résistance libanaise, ensuite syrienne et enfin iranienne, pour changer le rapport de force par cet autre moyen. Côté égyptien, accord David, frontière tranquille, Moubarak y veille comme la prunelle de ses yeux, la Jordanie hachimite, aucun problème, c'est un agent finalement de la CIA installé dans ce pays jordanien, qui est la Transjordanie, le Golan, casque bleu, le Liban donc pour cette attaque, pour cette mission. Échec cuisant. Toutes les guerres avant 2006, très coûteuses pour celui qui prend l'initiative de les déclencher. De l'autre, la résistance n'y gagne à chaque confrontation que de l'expérience, de la maîtrise, la culture de la résistance et également son extension dans l'espace, sa popularité illustrée par finalement la déclaration de Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État aux affaires étrangères des USA avant d'être remplacée par John Kerry. Hillary Clinton, alors qu'elle était secrétaire d'État aux affaires étrangères des USA, devant le congrès de l'EPAC, congrès de l'EPAC aux USA que j'ai évoqué, cette organisation sioniste américaine influente finalement dans tous les rouages de l'administration américaine, aussi bien le Congrès que le Sénat, à tel point qu'elle est à même de désigner qui sera le président des États-Unis. Hillary Clinton donc prend la parole et déclare en 2010, avec comme rubrique de sa déclaration, Israël doit s'attendre à un avenir mortel. Et les points sont premièrement la démographie et l'immigration. Démographie, elle ne peut rivaliser avec la natalité des Palestiniens. Également l'immigration. Il y a beaucoup plus de Juifs qui quittent Israël
que ceux qui y rentrent pour des raisons d'incertitude, et encore plus en ce moment-là. Donc plus de juifs qui fuient que d'autres qui viennent les remplacer. Hillary Clinton dit, d'ici 100 ans, il n'y aurait que 10% de juifs en Palestine historique. C'est-à-dire que même si l'État sioniste arrive à couvrir toute la Palestine, l'occuper, ils ne seront que 10%. Et s'il doit y avoir l'application du partage de 1948, c'est-à-dire non pas le partage qui est proposé avec la guerre de 1968, mais plutôt revenir à ce partage qui a été décidé par les Nations Unies en 1948. Les Juifs seraient 30% sur leur propre part de ce partage. Et les guerres sur lesquelles le sionisme peut compter pour assurer finalement son futur sont désormais impossibles. Plus de victoires ni de guerres éclairs. Avec cette culture des missiles et la technologie presque devenue populaire, maîtrisée par de simples combattants encerclés, jusqu'à l'État syrien iranien qui ont développé finalement cette technique à une classe internationale. Ensuite, dit Hillary Clinton, il y a la paix qu'il faut acheter, qu'il faut essayer d'avoir, mais elle sera chèrement coûteuse. Et si Israël n'est pas prête d'aller vers cette direction, elle glissera vers un futur mortel, incertain. Pour le moment, Israël refuse de lâcher. Les Palestiniens expulsés gardent toujours la clé même de leur propriété lorsqu'ils étaient expulsés en 1948. Ils se souviennent de leur Palestine, de leur ferme, de leur maison. Israël refuse leur retour. Et donc, cette entité cherche absolument à un substitut. Elle veut trouver le moyen d'éloigner sa finitude, ce futur mortel qui pointe, par une ceinture sécuritaire autour de ses frontières. Simon Peres le disait déjà au Maroc lorsqu'il rêvait du grand Israël. Il parlait d'une ceinture sécuritaire autour de ses frontières, constituée par une série de gouvernements de pays qui l'entourent et qui seront dirigés nécessairement par les frères musulmans du Maroc, en passant par la Tunisie, en Libye, en Égypte, en Jordanie, à Gaza, par un Hamas qui a fait une trêve qui va durer 50 ans, au Liban, en Syrie, en Turquie. La sécurité d'Israël serait garantie dans ce grand Israël imaginé par Simon Peres. Avez-vous remarqué que nous avons sauté l'Algérie? L'Algérie du 1er novembre, pourquoi? Parce que l'indépendance algérienne n'est pas une indépendance administrative faite d'un commun accord comme le fut celle du Maroc en protectorat ou celle de Tunisie. Malgré cette lutte politique que Habib Bourguiba a menée, que le roi Mohamed V a menée. Voilà. L'Algérie est un pays de moujahidines, de shahids, de guerre de libération nationale, de front de libération nationale. Donc l'Algérie ne peut pas rentrer dans ce genre de magouille qui finalement dénigre et spolie le droit du peuple palestinien. Donc, mais en fait, le plan qui a été conçu à ce moment-là, imaginé par Simon Peres, le plan est totalement en déroute devant nos yeux. Nous ne sommes pas en train d'inventer quelque chose, on le regarde. Mais ne le voit pas celui qui fait finalement ne veut pas le voir. Bandar Ben Sultan, homme d'Israël, par l'argent, par la force, cherche à leur substituer à ces Palestiniens finalement le Sinaï avec Morsi et les Américains qui cherchent à acheter le Sinaï. Plan cuit, tombé à l'eau, puisque Morsi a été éjecté par le peuple
égyptiens. Maintenant, sur le plan de la volonté de combattre, parlant de la volonté de combattre, finalement, soldat contre soldat, qu'en est-il? 5 points qui ont causé la débâcle des sionistes et qui se sont encore plus aggravés. Et nous avons 7 qualités qui ont mené à la victoire de la résistance et qui se sont de plus en plus améliorées. D'abord, les conditions matérielles et psychologiques du combattant. Côté militaire, infrastructure, le dôme vanté protecteur du ciel israélien, capable d'abattre le moindre missile lancé par l'adversaire, par un missile patriote qui l'abat. Nous avons vu ces pauvres Palestiniens de Gaza lancer avec leur lance-pierre quelques projectiles localement fabriqués. Naturellement, ce dôme d'acier a réussi à en abattre le plus souvent. Mais de plus en plus, quand ces missiles finalement se multipliaient, cela devenait un peu problématique. Et quelques missiles, effectivement, fabriqués localement par cette résistance à Gaza, ont réussi quand même à égratigner quelques murs de quelques bâtiments proches de leur objectif. Donc ce dôme d'acier s'est avéré que seulement efficace pour abattre 2 missiles ennemis sur 20 missiles lancés pour chaque batterie patriote qui finalement lui fait face. Et si on compte 2 missiles sur 20, on peut dire 10 missiles sur 100. Imaginez 90 missiles qui s'abattent, ou tout simplement 18 missiles sur 20 qui s'abattent avec une charge explosive de 30 kg, de 40 kg d'explosifs TNT sur des bâtiments. Naturellement, ça sera une désolation incroyable. Et imaginez que ces missiles s'abattent sur des aéroports ou des installations militaires, également la catastrophe. Imaginez que ces missiles s'abattent finalement sur Haïfa ou Tel Aviv, ou finalement cette installation électrique, ou finalement cette centrale nucléaire d'Imouna. Regardez la catastrophe, puisque ce dôme n'arrive pas à garantir la protection aérienne de cet espace israélien totalement. Donc, et en même temps, nous avons observé qu'il y a eu, par exemple, le survol de plusieurs heures par un drone fabriqué par l'Iran ou par le Hezbollah, qui a pu finalement survoler, photographier, envoyer ses documents, ses films, avant d'être abattu très difficilement par des F-18, 3 F-18 qui sont allés à sa chasse, et difficilement ils l'ont abattu. Voilà. Donc, simple drone de fabrication locale a pu voler longtemps sans être remarqué, tout autour de ce qui a été programmé pour lui à filmer et envoyer ses films. Il n'a pu être abattu que très difficilement par des F-18 partis le chasser. Donc, revenons à ce dôme d'acier, le coût est de l'ordre de 60 milliards de dollars annuels, si on veut protéger que seulement 20% du territoire. Si on a la prétention de vouloir élever de 20% jusqu'à 50% de protection, le coût serait encore plus élevé. On évoque 1 trillion de dollars pour 5 années. Si on a la prétention de vouloir également élevé de 50 à 60% de protection aérienne du territoire, il faut aller jusqu'à 3 trillions de dollars, équivalent à 3 000 milliards de dollars durant 5 années. Et si on veut encore élever de 60 à 70% de protection, imagine le coût, 7 trillions de dollars, c'est-à-dire 7 000 milliards de dollars pour les 20 ans. Solution coûteuse, peu fiable, pour une totale protection ou une protection finalement relative,
l'autre aspect militaire qu'il faut évoquer. La guerre des blindés, les Markaba 4, qui furent en fait dans cette guerre de 2006, qui furent tués en un nombre incroyable. Les uns parlent d'une centaine de chars qui ont été carrément détruits et ramassés en ferraille durant le repli de cette tentative d'envahir le Liban par l'armée israélienne. Ils furent détruits malgré la publicité qu'ils étaient faits avec une technologie la plus meilleure au monde. Des projectiles genre anti-char ou cornette et des mines intelligentes placées en des lieux de passage. Et plus encore, non montrés comme moyen de projectiles contre ces chars, ont été capables finalement de les détruire, ces Markaba 4, construits selon une certaine technologie qui a été finalement analysée et par finalement le général Ahmed Morney, un cadre militaire du Hezbollah, qui a été du reste tué par les services secrets, après qu'il ait causé leur défaite durant finalement cette guerre de 2006. Ingénieur militaire, Ahmed Morney, rahimahullah, qui a trouvé le défaut de cette Markaba 4, qui, dit-il, est équipé peut-être de deux moteurs de manœuvre, l'un en avant et l'autre en arrière. Donc, si on frappe ce char, finalement, du côté arrière, le côté avant, restant sain, avec un moteur sain, peut lui permettre de manœuvrer, de continuer encore à tirer, et par la suite de se mettre à l'abri. Ce char continue donc d'avancer. Il fallait trouver le moyen de l'immobiliser. Ahmed Morney a trouvé que si on le frappe simultanément des deux côtés, il cesse de bouger. Donc il faut le frapper par deux missiles pour le neutraliser, car au milieu c'est le vide. Deux chars, même méthode, trois chars, même méthode, et ainsi la résistance du Hezbollah, de ML et des fractions combattantes palestiniennes ont arrêté l'offensive gigantesque de chars Markaba en direction du Liban, et ils les ont rendus en ferraille avec tous les serveurs de ces chars certainement détruits, morts par des projectiles pénétrants faisant exploser même les munitions qui se trouvent dans le char lui-même. Donc pas de supériorité sioniste dans le domaine des engins blindés. Il reste cependant une suprématie des sionistes par air. Problème à résoudre. Petit à petit, peut-être qu'il est déjà résolu. Par mer, il y avait des bâtiments de guerre israéliens face à Beyrouth en train de la canarder en toute impunité, que subitement, des missiles, peut-être de fabrication syrienne, peut-être de fabrication iranienne, peut-être acheté à la Corée du Nord, peut-être russe, mais en tout cas, la démonstration a été faite et qui a été filmée et diffusée. Deux missiles ont atteint finalement des bâtiments de guerre au large en Méditerranée. Preuve à l'appui, documents, photographies. Donc plus de maîtrise ou de suprématie par mer. Maintenant, sur le plan du combattant lui-même, les meilleures connaissances et études israéliennes pour motiver leurs troupes reconnaissent qu'ils ne peuvent rivaliser contre le combattant qui défend sa terre et qui n'a pas peur de la mort, et celui qui aime la vie terrestre, la jouissance. Impossible finalement de le fanatiser. Donc, il faut lui fournir les meilleures armes censées être redoutables,
destructive à 100%, certaine à 100%, et donc aussi une protection pour ses arrières, pour sa maison, pour sa famille, ses villes, sa population. Donc, Dôme d'acier. Les deux ont failli. Résultat, la peur. Le char a été détruit et la maison a été détruite. Donc, pas sûr. Il devient hésitant. Problème donc du comment y remédier psychologiquement. Impossible devant les combattants de la résistance palestinienne, de la résistance libanaise, de la résistance ML. Ils l'ont démontré d'ailleurs dernièrement durant les combats en coordination avec l'armée arabe syrienne, qui petit à petit a su se transformer en commando sur le même modèle que le Hezbollah, en partie pour finalement mener cette guerre urbaine qui a été imposée par ces djihadistes d'Al-Qaïda spécialistes en guerre urbaine. Donc, confrontation entre finalement des experts en guerre urbaine et représentés par ces terroristes de Jabhat al-Nusra, de la mouvance d'Al-Qaïda, face à ces combattants du Hezbollah et de également ces civils syriens qui ont décidé de faire partie d'une défense nationale de la Syrie et qui finalement ont confronté ces éléments d'Al-Qaïda en guerre urbaine à Al-Qusayr. Jabhat al-Nusra, réputé d'éléments experts contre les Américains en Irak, contre les Américains en Afghanistan, ils le furent également en Libye contre l'armée de la Jamahiriya arabe libyenne, ils l'ont été également en Somalie, au Pakistan, au Yémen. Jabhat al-Nusra contre la résistance libanaise représentée par Hezbollah. Résultat, d'une part, ceux qui sont commandés par Israël, en fait, cette mouvance d'Al-Qaïda, également par le Qatar, puisqu'il faut le dire, également par les Saoudiens, également par les Américains, également par les Turcs, finalement payés en dollars, ça devient des mercenaires, et dès qu'ils s'emparent d'un village, ça devient un quartier libre, ils pillent, ils volent, ils violent, ils consomment de la drogue, voilà. Tous les mœurs se sont permis, ils font partie finalement de ce groupe des 73 sauvés qui ne paiera aucun compte lorsqu'il mourra dans l'au-delà de ses méfaits sur Terre, puisqu'il fait partie du groupe de le seul groupe sauvé parmi l'islam. Donc vol, viol, leur honneur, leur résistance devient plus faible face à des hommes ayant une éthique, un principe, un engagement. Même si Al-Qaïda possède les meilleures armes, et elle les possède déjà en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa tête qu'une certaine schizophrénie? Ils sont plusieurs personnages en même temps. Il va se demander, moi je suis commandé par Tayyip Erdogan, c'est un Turc, il n'aime pas les Arabes. Moi je suis commandé par les Américains, ils sont contre l'islam, contre les Arabes. Moi je suis commandé par les Saoudiens, si je rentre en Arabie Saoudite, je suis immédiatement liquidé. Il n'a pas la même attitude de combattre que le combattant réel qui a une éthique, un principe, tel que le Hezbollah. Donc il y a une espèce de défaillance au niveau même du combat. C'est toute la différence, donc la déduction que les Américains, les Français, les Anglais, les Turcs, les Qataris, les Saoudiens et surtout les Israéliens qui étaient sur place sans leur commanditaire
Et donc, ils n'ont, cette mouvance d'Al-Qaïda n'ont fait que fuir, laissant derrière eux des armes inutilisées, leurs cadavres qu'ils avaient l'habitude de brûler, comme témoignage le fameux véhicule Made in Israel immatriculé de l'armée d'Israël qui a été trouvé à Al-Qusayr, contenant des éléments de transmission finalement intacts. Ces mouvances étaient aussi bien équipées que les combattants du Hezbollah. Ils avaient une logistique, une vision GPS en temps réel. Ils avaient finalement l'accès des passages à autant de munitions et d'armes qu'ils veulent. Devant cette débâcle, en fait, quel est finalement le futur pour Israël face à de tels combattants, que sont les combattants du Hezbollah et ses commandos nouvellement formés de l'armée arabe syrienne, ainsi que ces civils syriens qui se sont joints à cette défense nationale? Naturellement, l'armée arabe syrienne a laissé le grand de ses troupes pour la défense nationale contre toute attaque comme celle qui est en train de menacer la République arabe syrienne par des attaques massives aériennes avec les Américains et tous ses alliés. Comment faire pour l'intrusion, par exemple, dernière qui a eu lieu par un commando israélien qui a tenté de s'introduire en bordure du Liban, en un lieu difficile d'accès, accidenté, beaucoup de forêts, du nom de Lebouna. Qu'est-ce qui est arrivé à ce commando israélien bougrement armé? Peut-être commando composé de terroristes que les Israéliens finalement ont dans leur étable. C'est devenu des animaux domestiques qu'ils utilisent à bon escient là où ils veulent. Donc, tentative de s'introduire au Liban à Lebouna, dernièrement, qui s'est soldée par un échec incroyable. Le succès du Hezbollah est dû à des crackers qui ont pu, finalement, s'introduire dans des systèmes électroniques de transmission de l'armée sioniste. Ils ont pu briser, finalement, les codes et les algorithmes de ces systèmes de communication sionistes qui leur ont indiqué finalement la planification de cette intrusion que le commando israélien voulait faire pour s'introduire au Liban et certainement faire quelques actions de sabotage. La résistance, donc prévenue de ce plan, était sur place avant pour organiser finalement une embuscade et faire échouer cette tentative. La résistance donc était sur place pour faire exploser des mines pièges contre leurs véhicules blindés avec mort et destruction et peut-être prisonniers. Cela reste un secret que je ne connais pas. Sans que les services finalement sionistes n'aient même su que la résistance les attendait. Parce que s'ils étaient vigilants, ils auraient pu croire, ils auraient pu voir que finalement leur plan a été dévoilé et que la résistance les attendait. Donc la discrétion de cette résistance a démontré son efficacité. Maintenant, s'il en fait le bilan de tous les points, la tentative d'allumer une guerre intestine à l'intérieur de la société combattante, qu'elle soit syrienne, libanaise, égyptienne, qui est composée en fait de différentes minorités religieuses, différentes confessions, a échoué. Supériorité technologique également a échoué. Complot par tous les moyens, assassinat de Hariri, du président Rafiq Hariri, qui aurait dû finalement faire une espèce de guerre civile au Liban, a échoué.
continue encore d'analyser. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.